On en était à... Qu'est-ce que ça fait de... Plus rien... penser. Ça va plus à rien. C'est bon, parce que ça va bien avec le dessin juste derrière. Avec le monsieur qui s'enlève son cerveau. Ouais. Et au-dessus, il y a écrit accept. Et ça rejoint le passage de notre ouvrage en cours qui dit d'accepter l'écrasement. Et là, on est en plein dedans. On est dans la phase écrasée. Mais tout ça va changer. Par contre, je sais pas quoi. Mais on n'est pas pressé. Il y a juste moi là, j'arrive pas à calmer mon esprit. Alors qu'à côté, il arrive très bien à se poser en automéditation et moi je suis bloqué dans mon activité, mon dynamisme qui n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que je sais pas apprécier la flemme. Comme je sais pas apprécier la flemme, je suis jamais rechargé. Comme je fais pas une flemme complète, je fais une fausse flemme. J'ai une fausse volonté. Heureusement, une aveugle va m'apprendre des techniques de méditation intense. Des techniques de méditation profonde, issues de l'exercice d'une flemme millénaire, transmise de génération en génération. Une flemme observée, une flemme expérimentée, une flemme auto-révélée. Voici les secrets que Neveuc va nous dévoiler ici. Dis-moi, Neveuc, comment tu rentres dans cet état? Non, sans rigoler, je suis vraiment curieux, j'aimerais bien. Là, j'aimerais bien arrêter de penser. Et j'ai l'impression que tu sais le faire et moi je sais pas le faire. Et je suis vraiment très jaloux de ça. C'est pas que je suis jaloux, j'aimerais juste apprendre. Mais là, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. J'aimerais bien pouvoir dire ça, mais putain, comment tu fais? Mais pas parce que j'ai le cul, parce que j'ai la flemme. Non mais tu comprends pas, c'est une flemme que tu contrôles pas, c'est juste que tu te rends pas compte, mais c'est la flemme de réfléchir, non? Essaie de te concentrer sur quelque chose. Et genre, dis-moi une idée. À quoi tu penses? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à réfléchir. C'est pas toujours facile. C'est sûr. Et aujourd'hui, c'est plutôt difficile du coup. Réfléchir. Putain, t'as réfléchi à ce que tu devais dire. À une réflexion de distance. Et moi, j'ai oublié. Ok. Donc on est vachement avancé. J'en étais à savoir comment tu fais pour rentrer dans cet état. Contemplatif. Mais contemplatif de quoi? J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, mais c'est pas ça quand t'as la flemme de rien faire. Mais j'aimerais. Et tu comprends pas qu'on a chacun notre flemme? Et moi, ma flemme, là en ce moment, elle est culpabilisante. J'aimerais me nourrir de ta flemme. Elle a l'air tellement nourrissante et tellement. Tu vois, du coup, elle me donnerait une volonté incroyable. Et ça se passe pas. Il est repassé. Moi, je le fais chier pour apprendre sa connaissance. Mais putain, sois mon maître de flemme. Explique-moi, j'ai envie de savoir. Du coup, bah, je suis en train de me dire que je vais passer du temps pour apprendre ce que c'est que la flemme. C'est une mission presque divine, tu devrais m'aider. Mais j'aimerais pouvoir t'aider. J'ai la flemme. Peut-être que c'est ça la flemme, peut-être que la flemme, ça serait de pas vouloir parler de la flemme, etc. En même temps, j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, si tu parles de la flemme à quelqu'un qui a vraiment la flemme. Il aura la flemme. Mais à quoi? Ouais, mais alors.
En fait, je pense que du coup, c'est la flemme, mais où tu réfléchis quand même un peu. Genre quand t'es dans ces états que t'obtiens après des exercices de respiration profonde, comme je l'ai expliqué dans les trucs de méditation et de relaxation, je me demande est-ce que toujours tu as la flemme de réfléchir dans ces moments de respiration profonde? Ah non. Non, pas toujours. Et qu'est-ce qui joue dessus? Je sais plus. Qu'est-ce qui joue? Ah, tu sais plus ce qui joue sur ces moments. Putain, j'ai l'impression aussi de commencer à avoir la flemme de réfléchir. Je sens que je comprends un petit peu. C'est perturbant, c'est comme si je devais m'endormir en fait. C'est comme si je dormais mais sans rêve et sans me reposer. Du coup, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, t'es contraint de le faire en fait. Tu choisis pas? Ouais, un peu. T'es dans ta forteresse de PLS. Putain, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. J'aimerais savoir. J'aimerais expérimenter ce que tu expérimentes. Surtout. Je te verrais bien là, tu vois, en portrait avec des étoiles derrière. Et des planètes, comme si tu fixais le cosmos. Parce que quand t'es comme ça, on voit juste la fente de tes yeux tourner vers on ne sait pas quoi, tu vois. Genre comme si t'avais vu au milieu des étoiles la planète, la future planète des humains. Ou autre chose. Là, par exemple, qu'est-ce que t'aimerais? Juste être comme ça? Ça t'es contenté? Ouais. Oh, moi aussi en fait, hein, mais. Mais mon esprit il arrive pas à s'arrêter. Je suis hyper actif. C'est un peu le problème de la sativa. Pourquoi toi ça te fait pas ça? C'est ça qui est mystérieux. Je suis plus fatigué aussi. En fait, c'est vachement ressourçant d'arrêter de penser sur tout ça. C'est que pendant ce moment, ton esprit il se repose. Et je pense qu'en fait, on n'est pas obligé de dormir pour reposer notre esprit. C'est pour ça qu'en fait, on pourrait faire que des siestes de 20 minutes. Si par exemple, on faisait 20 minutes où on réfléchissait pas du tout, peut-être qu'on serait reposé et qu'on n'aurait plus besoin de dormir. Tu vois, là par exemple, j'ai l'impression d'avoir une énergie, je sais pas combien de temps elle va durer, juste parce que pendant un instant, j'ai pensé à pas grand-chose, enfin à rien. J'étais là, j'étais bien dans la chaleur de mon absence de conscience. Et j'ai trouvé ça très réconfortant, et du coup, là j'ai de nouveau une petite énergie. Et je me dis, si j'ai une énergie qui dure plus que le temps que j'ai passé à faire ça, alors c'est vachement rentable comme manière de passer son temps.
Mais j'ai peur de m'y perdre et de plus jamais vouloir faire autre chose. C'est pas quelque chose qui t'effraie. Telle une chouette. La question. Ça t'effraie pas? Ah, de faire que ça, du coup. Ouais. De te laisser absorber par ça. Je sais pas. Une question qu'il faudrait que je me pose. Que je ne serais plus en train d'absorber. Donc du coup, cette vidéo, elle a un but de mémoire pour te rappeler que il y a quelque chose à 11 minutes. C'est vrai. De toute façon, je la re-regarde en entier. Avec tous Il est ces fou. moments de méditation. Il est fou. Personne ne regarde sa vidéo en entier. Elle dure combien de temps cette vidéo? Hein? Elle va durer combien de temps cette vidéo? Là déjà elle dure 11 heures et 11 heures. 11 minutes et 15 11 heures! et 15 secondes. 20 secondes. 11 heures! 11 heures. Ouais, je l'ai regardé en plusieurs fois. Non, tu prends une journée. Genre en deux fois. Tu prends une journée de congé? Je lève le matin à 8h, 8h plus 11h, t'as fini à 7h. Ouais, c'est bon, c'est bon. Plus. Une journée. Après, tu peux faire autre Ah, chose en même 5h temps. le Hein. matin et 4h l'après-midi, Moi, je pense que ça, 2h le soir. c'est une alternative au fond sonore parce qu'en fait, t'entends des gens parler, t'es pas obligé de suivre parce que de toute façon, eux-mêmes ne suivent pas leur discussion. Donc, en fait, ce qui est excellent, ça serait. Alors, ça serait qu'on fasse de la radio plutôt. Un podcast. Ah, mais la flemme. Parce que je sais pas ce que c'est. Puis c'est quoi? C'est juste un dictaphone? Ouais, ou un micro de meilleure qualité. Comment ça? Meilleure qualité que quoi? Que pour le best of? Je sais pas. Peut-être, je me rappelle pas de la réponse. Ben on va regarder alors.